Brand Science, j'ai une question. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez encore travaillé la sonate numéro 3, des petits bouts. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore cette énergie, cette envie, cette force? Qu'est-ce qui vous attire encore dans ce travail? C'est-à-dire, je voudrais quand même arriver, je voudrais essayer d'arriver encore à faire ce que j'ai pu faire quand j'ai encore donné des concerts, mais je vois quand même aussi que maintenant, actuellement, Bach est pour moi, devient un peu un problème, parce que j'ai des difficultés de l'épaule. Ça me fatigue de jouer trop dans les premières, deuxièmes, troisièmes positions. C'est pour cela que je me sens beaucoup plus à l'aise dans les concerti de Mozart, où ça bouge beaucoup plus, où on doit avoir une légèreté de l'archet qui ne peut pas fonctionner. Je sais pas, il y a tout à un peu plus de poids. Et moi, je suis maintenant pour ce qui est très... J'aime le mieux travailler les choses qui sont les plus lumineuses de la musique pour violon, c'est-à-dire tout, au fond, tout Mozart, soit les sonates, soit les concerti. Et ça me donne quelque chose, alors tout à coup, j'ai l'impression que ça joue de lui-même. C'est-à-dire, j'essaye de faire tous les mouvements avec le moins d'efforts possible. Et par exemple, sans arrêter les mouvements. Et alors là, tout à coup, j'arrive aussi peut-être à une sonorité comme je n'ai pas eu encore il y a 10 ou 15 ans, parce que comme j'ai maigri un peu, mes bras sont devenus un peu moins lourds. Et puis alors, avec mon tourte, qui est un archet magnifique, mais léger, mais alors là, ça commence à faire une unité. J'ai l'impression que quand je suis vraiment bien en forme, le bras et l'archet, ça fait une unité. Et puis alors, je travaille toujours les choses impossibles, quoi, oui. Parce que j'ai toujours beaucoup travaillé les caprices de Paganini, et je travaille quotidiennement les plus difficiles. Ceux que je ne joue pas en public, ou que je n'ai pas joué en public, ou très rarement, comme par exemple la quatrième, ou le... Et là, alors, j'arrive parfois à des résultats même meilleurs que j'avais dans le temps quand j'ai donné des concerts. Parce que je les ai tellement travaillés, retravaillés. Et ça me maintient. Mais je ne peux pas travailler trop longtemps. Quand j'ai travaillé 2 heures, je suis fatigué. C'est déjà bien. C'est déjà bien.